Oh,
La nuit, le jour,
aujourd'hui, cette femme-là est toujours là. Elle s'appelle Mama. La parole à celui qui est le. Veuillez vous asseoir. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de silence pour qu'on puisse comprendre l'émotion. S'il vous plaît, je n'ai plus besoin d'expliquer pourquoi nous sommes ici, vous avez tout compris. Votre temps est épuisé, les gagnants vont vendre.
respective, s'il vous plaît. Je demande aux services de l'ordre de laisser que les officiels qui sont. De cette année, 35 ans de combat pour les valeurs, pour la liberté, je crois qu'il nous a légué cet enseignement qu'au-dessus de tout, il y a ces valeurs, ces convictions. Aujourd'hui, c'est un grand enseignement pour l'Est, nous sommes tous orphelins, mais le combat continue. C'est ce qui est aujourd'hui de nous. Service de protocole. La démocratie est toujours en danger. Pas de guerre dans le centre, s'il vous plaît.
Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux savoir qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je suis venu en deuil. Je suis venu en deuil de notre papa, de notre libérateur qui nous a quittés. Ça fait tellement mal. J'ai tellement d'émotions, je ne sais même pas comment expliquer. On ne s'attendait pas de ça. Ça fait tellement mal. Vraiment, je manque mes mots. Honorer ce Baoba, ce papa, celui qui nous a appris c'est quoi la liberté. Donc voilà, les mots me manquent quoi. Voilà, je peux dire que les mots me manquent. Ben, tant que pasteur, c'est quoi votre conseil pour les Congolais, pour nous les Congolais qu'on reconnaît là? Moi, en tant que pasteur, c'est de dire aux gens de reconnaître leur mérite et leur vivant. De ne pas seulement reconnaître quand on voit que la personne n'est plus vivante, on dit voilà, c'était une bonne personne. Et pourtant, le vieux s'est sacrifié pour ce Congo. Donc il mérite quand même les honneurs. La Bible dit que le plus grand amour dans ce monde ici, c'est d'avoir donné sa vie pour les autres. Vous savez que le vieux s'est sacrifié du temps de Mobutu. Donc c'est quand même quelqu'un qui mérite ses hommages ici. Ok, merci beaucoup pasteur. Est-ce que je peux savoir où on peut vous trouver pour savoir un peu plus? Ah non, ça va. Moi je suis ici à Bruxelles. Je suis le pasteur jumeau, pasteur Jean Bosco. Je suis, je tenais toujours à rendre hommage à cet homme qui est notre icône. Je tenais à parler, à dire un mot. Vraiment, on peut me trouver. Je suis à l'église Source du Salut, boulevard de l'Abattoir numéro 26. Je salue aussi NAPS Fort TV. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, les lots, pas comprendre en gros. Et donc, pour moi, c'est un plaisir. Merci beaucoup, papa.